Bonjour. Tu en ris, c'est ça? Je vois qu'on ne peut rien cacher aux belles filles. Ne fais pas attention au désordre. J'ai emménagé il y a presque un an. J'ai toujours pas trouvé le temps de ranger. Je peux vous aider si vous voulez, hein. Les déménagements, ça me connaît. Je vous présente Henri, qui va remplacer Gilles. Ouais, on se connaît déjà. Qui ne connaît pas la colique à Nancy? La colique? Ouais, je m'appelle Colo. Colo, la colique. Bon, vous m'avez dit bien pour tous, les garçons? Ouais. Ah bah bravo, hein. Je te remercie de m'appeler la colique devant une dame. Enfoiré. Reste poli, la colique. En tout cas, moi, je suis ravi de te voir, l'escroc. Putain, vous êtes donné le mot, là, ou quoi? Et je te signale que ça fait plus de 8 mois que t'es censé me ramener ma basse, que je t'ai amené à réparer. C'est la Fender qui avait un problème de micro. Mais t'as qu'à passer au magasin, la récupérer. Attends, tu rigoles, ça fait 2 fois que je passe, t'es jamais là. Ah, les gars, on verra ça plus tard, on a du taf. Eh, hey, vous faites pas chier avec la chanteuse, je me la taperai bien au petit-déj, moi. Tu... Tu te fous de notre gueule, ou quoi? Bah quoi, elle vous plaît pas, vous? Je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Attends. Rémi, lui, son genre, c'est les blondes. Non mais attends, tu sais, une Rolls rouge ou jaune, c'est toujours une Rolls, hein. Sheila, c'est pas une Rolls, hein, c'est une Ferrari. Elle démarre au quart de tour. Pourquoi t'as essayé? Non mais le canapé, là, s'il pouvait parler, il en aurait des choses à raconter. Putain, attention là-bas. Sortie du frigo. Une femme d'aventure qui file à toute allure, sans larmes ni bagages, prête à tous les voyages. Cette femme d'aventure, tu la connais, j'en suis sûre, mais ne la fais pas trop languir. Elle n'aura plus rien à t'offrir. Je suis cette femme que tu cherches à cette femme que tu veux posséder. Je suis cette femme et tu ne peux l'acheter pour un denier. Une femme d'aventure. Bon ben voilà, c'est parfait. Attends, on n'a pas fini. Il y a encore tout ça qu'on n'a pas fait. Non mais le reste, c'est de la rigolade. Bah, tu regardes les grilles d'accord et puis c'est bon. Ah ben oui, oui, on peut finir tranquillos chez nous. Ouais, y'a pas de problème, ouais, ouais. Bon bah, nous on a rencard au Royal. Tu nous rejoins quand t'as fini, ok? Ah ben ouais, 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 pas de problème. Comme on a... Putain, elle en veut celle-là. Elle fait ça timide, mais elle en veut. Lovla, Lovla, Bernie, baisse la zic. Baisse la zic. Henri, on est là. Bernie, un demi. Tiens, revenons. Tu as payé ton chrome? Alors? Alors quoi? Fais pas ta chuchote, raconte. Eh, y a rien à raconter. Y a l'abruti qui est arrivé juste au moment où il fallait pas. Une espèce de gros naze avec une barbe là. Putain, Mickey! Et t'as pas fait une tête au carré? Ben non, puisqu'ils ont rien fait. Ben, n'a rien fait, n'a rien fait. Attends, j'ai pas dit ça. Enfin, non, j'ai quand même roulé une pelle, elle a pas dit non, hein. T'as roulé une pelle à qui, toi? Oui, monsieur. J'ai roulé une pelle à une gonzesse que tu pourrais même pas lui servir de paillasson, mon pote. Et en tout cas, vous aviez raison, elle est bonne, hein. Et toi, t'as un sacré con de pas aimer les brunes, hein. Ah non, non, mais moi, j'ai rien contre les brunes. C'est les bruns à qui je roule pas de pelle. Oh, bah, je savais pas que t'avais tourné, Foc. Ouais. Ah oh bah elle est pour moi celle-là. Eh, hey, vous connaissez la meilleure? Il y a Henri qui est devenu pédé. Arrêtez, je suis pas devenu pédé. Mais alors, eh oh oh oh. Eh, Chena, c'est pas un mec. Ou alors, ils m'ont bien déguisé. Attendez, vous m'avez dit, vous deux, là, que vous l'étiez tapé sur le canapé. Mais toi, tu nous as cru. Mais les trappes, c'est pas notre truc, la colique. Les trappes. Vous me faites chier avec vos laconiques. Je m'appelle Henri. Henri, putain, c'est pas compliqué. Je m'appelle Henri comme Balavoine. Tout qui passe à côté des génies. Je m'appelle Henri.